Le ministère du Tourisme et la RTI vous proposent Nzassa. Nzassa, magazine de promotion touristique et culturelle dans le cadre de la Cannes 2023. Alors, je suis Monsieur Nian, alias mon nom commercial c'est Mathieu Poulet. C'est un nom que je me suis donné parce que j'ai aimé beaucoup ce domaine qu'on appelle la restauration. Et j'ai choisi dans la restauration, j'ai choisi d'abord le poulet et que j'ai su maîtriser. Voilà, le poulet, j'ai su le faire à ma manière. Et les gens venaient, dans mes débuts, les gens venaient, « Ah, comment tu t'appelles, mon ami? Ton poulet est doux, hein ?» Il dit, « Je m'appelle Mathieu. » Et c'est ce qui m'a amené l'année dernière à me concentrer en créant ce lac que vous venez de connaître. On a des spécialistes qui font ce boulot. Un terrain neutre, il n'y a rien là-dessus. Tu fais venir le technicien, il fait étude du sol, il te montre son plan, vous étudiez le plan et après il te sort ce que tu as besoin. La source d'eau, elle existait. Vous voyez, j'ai dû l'utiliser à ma manière. La source d'eau, j'ai fait des connexions. Hein, j'ai fait des connexions qui alimentent depuis 200 mètres de la source. J'ai fait une dérivation pour l'amener dans, pour alimenter le barrage. Voilà, sinon, la source ne vient pas directement dans le barrage. C'est une source qui existe, qui est un peu partout dans la broussaille. Maintenant, il faut choisir et il faut faire une connexion pour pouvoir alimenter ta pisciculture. C'est ce que j'ai essayé de faire. Maintenant, j'ai fait des tuyauteries, la plomberie. C'est un système, elle est automatique. En même temps, on peut fermer les valves. On a des valves. On les ferme quand il pleut pour empêcher l'eau sale d'entrer dans le barrage. Voilà. Et ça, c'est une étude que moi-même, j'ai eu à maîtriser dans mes recherches. Ici, on n'a pas de problème avec les clients. Les clients ont plus aimé ici par rapport à l'autre côté. Ben, on a encore du boulot à faire. On a encore du boulot à faire. Et surtout qu'il faut finir les résidences, il faut maintenir le client. Ici, c'est un lieu de détente en même temps. Il faut maintenir le client quand il est là matin jusqu'au soir ou soit le lendemain. Et c'est ce côté que nous sommes en train de lutter pour finir ces temps-ci. Là-bas, nous avons le parking que nous sommes en train de créer et de mettre en état parfait pour pouvoir mettre les clients aussi à l'aise. Voilà. Parce qu'il faut, au finish, il faut bien que le client soit à l'aise. Il puisse garer sa voiture, il puisse dormir, il puisse bien manger. Voilà. Et le poisson, quand nous le pêchons, le prix se discute. Voilà. Nous avons aussi des balances. On te sort le poisson, mettons sur la balance, on discute. Et parfois, on n'a pas besoin de discuter. Les caps, on a les prix par rapport au gramme, au kilogramme. Tout le monde viendra chez moi, mangeront et pourront aussi se reposer, pourront se détendre. Et puis, bon, merci pour le déplacement. Et puis, je salue tout le monde. Et puis, on nous revoit très bientôt. Avec Nzassa, tous les samedis à 7h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Retrouvez votre magazine Nzassa sur tous nos supports digitaux. Sur Radio Côte d'Ivoire, il y a l'info qu'il vous faut.